Bonjour, alors hier soir c'était le retour de Mask Singer sur TF1, mais ça a commencé par une polémique, puisque comme on peut voir dans le public, personne n'était masqué, ils étaient plus masqués sur scène que dans le public, donc on a pu voir Alif dire dites-moi Camille Combal, Mask Singer était tourné avant la crise sanitaire. On a pu voir aussi saison 2, l'absence de masque dans le public dérange les internautes. Et puis vous avez Émilie Lopez qui a dit à ceux qui se posent la question si le public de Mask Singer ne porte pas de masque, c'est simplement parce que l'émission a été enregistrée cet été et qu'à l'époque, il n'était pas obligatoire, même s'il y avait un protocole décrit ici. Donc on a pu voir que dans le loup, c'était Laure Manaudou, donc Laure Manaloo. Dans la boubouche, eh bien, c'était Frédéric Bell. Et puis, alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que dans le requin, c'est Jean-Luc Reichmann. Alors, Jean-Luc Reichmann, il paraît qu'il est dans l'émission. Alors, dans quel animal, dans quelle bestiole, on n'en sait pas, on n'en sait rien encore. Donc, mais je sais que l'année dernière, il avait dit qu'il voulait absolument participer au Mask Singer. Par rapport au comment dire aux morts, donc c'est donc il y a des gens qui pensent que c'est Baptiste Djabikoni qui était dans l'étoile mystérieuse il n'y a pas très longtemps, et puis dans l'araignée que c'est Tatiana Silva. Donc ça on verra plus tard. Par contre, alors The Best Man 57 dit que donc dans le jeu il y aurait Basile Boli, Karine Ferry, Claude de Koh-Lanta, une youtubeuse qui aura le rôle de star internationale et Michael Lumière, celui qui jouait le rôle de Grégory Le Marchal. Ben ça on verra un petit peu plus tard. Sinon, eh bien on a pu voir que Camille Combal avait beaucoup d'humour, puisque je lui ai balancé le t-shirt en disant spoiler, je sais que c'est le professeur Raoult, et donc il m'a dit bingo. Donc voilà. Donc le t-shirt sortait masqué, donc le lien sous la vidéo si le t-shirt vous intéresse. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour le résumé des 12 coups de midi. Allez, bye bye.